Et effectivement, là, bah, vous êtes en train de faire l'ultime. C'est le moment ultime de la partie. Vous êtes arrivé tout au bout du donjon et vous vous apprêtez à affronter le dragon rouge qui garde l'immense trésor du donjon de Cornagol. C'est vachement précis. Ouais, non mais carrément. Alors, racontez-moi un petit peu, c'est quoi vos personnages? PNJ. Enfin, vous avez pris quoi comme personnage? Par exemple, Camille, c'est quoi ton personnage? T'as pris Un quelque chose? barbare. Un barbare. Super. Et Seth Rogers, il a pris quoi comme personnage? Moi, j'ai pris un paladin, magnifique et brillant. Yann Vollmer, il a pris quoi comme personnage? Et c'est qui le MJ? Ben c'est elle, c'est Charlie le C'est MJ. Charlie. Ah, c'est Charlie, d'accord. Moi, un voleur. Un voleur, ouais, j'aurais plus vu un magicien. Bon, voleur, très bien. Bon, magicien. Skyler, t'as pris quoi comme personnage, toi? Prêtre. Hein? Le Un prêtre. prêtre. Un Ok. prêtre. Alors, Charlie est en train de vous raconter. Et vous arrivez dans l'antre du dragon. Tout est sombre et silencieux. Vous n'entendez que le bruit des gouttelettes d'humidité qui tombent sur les millions de pièces d'or qui sont étalées dans cet antre. Et ça fait chpling-ting, chpling-ting, ça résonne sur les pièces d'or. Vous savez que le dragon est là, tapis dans l'ombre. Et vous frémissez, mais vous voyez tout cet or devant vous. Quand tout à coup, vous voyez les pièces d'or bouger. Vous voyez deux grands yeux rouges s'ouvrir, comme s'il y avait des flammes qui sortaient de ses yeux, une grande gueule fumante qui s'ouvre devant vous. Mais qui vient déranger mon sommeil? Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, ne t'inquiète pas, tu ne te réveilles pas pour rien. Et à l'attaque! Je me cache. Gomme, il Pardon. m'arrache sa gueule. Je me cache derrière un poteau. C'est clair. Le dragon s'ébroue et commence à lancer des flammes un peu partout pour éclairer la pièce. Vous Oh, voyez on va l'or tous qui mourir. commence à rougir comme, et ça se met à briller partout. Les pièces d'or se mettent à briller parce qu'elles rougissent. Vous passez à l'attaque. Qui attaque alors? Non, non, Moi, moi je je gueule à lance une l'attaque. protection contre le feu. Ah, super. Ok, bah tu fais ta protection contre le feu. Et qui l'autre passe à l'attaque? Ah oui, donc vous deux, vous vous jetez. Donc qui se jette? Raconte-moi comment tu t'attaques au Alors dragon. moi je faisais, donc je lui dis cette réplique, ne t'inquiète pas, tu ne te réveilles pas pour rien. Je fonce, je dis à l'attaque en espérant que les autres me suivent, en criant la lumière est ma force. Et Et je là je lance fonce. une protection contre le feu. Très bien. Pour tout le monde. Et je fonce pour arrêter la Et ben je gueule. me faufile par derrière. Ok, et Je me donc du faufile coup, par pendant derrière, que. mais Bah, beaucoup vas-y, trop. donc. Et du coup, vous affrontez le front. Et vous jetez. Donc vous jetez sur le dragon, c'est ça? Ouais. Et donc, alors que vous vous jetez sur le dragon, il y a le voleur. Comment il s'appelle le voleur, là? Il a un nom, le voleur? Il a un nom Farfouine. Farfoun. Farfoun se faufile par derrière dans les ombres. Et le dragon n'a pas vu le Farfoun arriver par derrière. Tu es juste derrière Non. lui, tu es juste derrière son dos, pendant qu'il est en train de hurler sur le paladin. Il s'apprête à massacrer d'un coup de patte. Paladin, tu fais quoi avec ton épée? Tu s'apprêtes à parer le parer sa patte avec ton épée. J'ai un bouclier aussi. Ok, donc tu pars avec le bouclier. Vas-y, raconte-moi, tu pars avec le. Ouais, je lève le bouclier en me tenant prêt à donner un coup d'estoc avec mon épée dans sa patte. J'avance vers lui, tu vois. Je continue d'avancer vers lui. Il Je me donne un prépare à violent coup de prendre pied sur ton épée. Alors tu lances un jet de dés sur mon épée ou sur mon bouclier? sur le bouclier pour savoir si tu réussis. Ok. Du coup, je fais un dé combien? Non, non, mais tu fais un dé virtuel. Oui, j'ai compris, mais enfin, je jette le dé, quoi. On va faire un dé 20, tiens. Allez, hop, un dé 20. Wow, c'est un Oh, réussite 20! critique Allez, 20. bien sûr! C'est Pour la incroyable. lumière!
et je pars son cou, et là, je réplique. J'essaie de lui planter dans les phalanges. Eh ben, tu réussis, non seulement tu réussis à parer, mais tu lui fais perdre l'équilibre avec ton bouclier. Et il est là, il est en train de tomber sur l'arrière, le ventre ouvert à toi. Tu peux te jeter sur son ventre avec ton épée, si tu veux. Pendant ce temps, le voleur, il fait quoi? Le voleur, par derrière, il voit le dragon qui vient de tomber à la renverse. Bah, tu peux également arriver par derrière. Voilà, je sors ma dague qui s'appelle Dar et je saute dessus. Et tu le sautes et tu le plantes dans le dos ou dans le ventre? Dans le scrotum. Dans le scrotum. C'est le meilleur endroit. Aïe, aïe, aïe. Et le barbare, il fait quoi, le barbare? T'as quoi? T'as une grande hache, c'est ça? Une grosse hache à deux mains. Oui. Et ben tu te jettes sur le dragon avec ta hache à deux mains. Vas-y, raconte-moi comment tu te jettes sur le dragon là. Profite de ton ventre, le ventre qui est ouvert là. Le ventre est ouvert. Écoute, comme un barbare, hein, la tête en avant, lâche. Prête à le pourfendre dès que possible, en criant des trucs, des onomatopées, ce que tu veux. Voilà. Bonjour Saint-Denis. Non, ça c'est beaucoup trop Saint-Denis. Et il nous manque un personnage, attendez, on avait le barbare, on avait le voleur, Ah, le prêtre. Il fait quoi le prêtre? Il a lancé un jet de protection contre les flammes, c'est ça? Voilà. Ah bon, très bien. Et ben vous voyez, une espèce de boule qui vous enveloppe, parce qu'au moment où le paladin il commence à lui ouvrir le ventre, il y a un jet de flamme qui sort comme ça et qui se jette sur vous, mais qui semble rebondir sur quelque chose d'invisible autour de vous. Et là, le dragon se met à hurler, comme tu as fait une réussite critique, le dragon se renverse à l'envers et commence à agoniser. Et là, vous entendez une voix en haut. Qui fait, hey, les enfants, ça va être l'heure d'y aller, là. Vous avez fini votre partie, là. Déjà. On a presque fini. Silence, servile démon. Hey, c'est bon. Tu parles pas comme ça, mon oncle. C'était pas lui. C'était au dragon. Bah ouais, parce qu'on est et là il commence à faire nuit, on est le jour d'Halloween et vous avez prévu d'aller faire le tour des maisons pour aller récolter des bonbons, vous savez, comme ça se fait traditionnellement. Ah oui. Ouais. Et donc bah ça va être l'heure d'y aller quoi. On était quand même vachement bien dans cette action. C'est un énorme levée de fan. Bon, si vous voulez y aller. Bah non, on peut. On peut au moins voir la conclusion, Charlie, là. Eh ben, le dragon va s'effondrer sur le sol et va gueuler. Vous m'avez vaincu. Mais je reviendrai dans une autre vie. Vous ne savez pas les pièges que j'ai laissés pour vous. Vil voleur. Vil affreux. Humain. Petit. Et puis il termine pas sa phrase. Et là, il, dans un dernier souffle, vous voyez un nuage de fumée qui sort de sa bouche et sa tête qui tombe sur une grosse masse de pièces d'or qui se mettent à couler comme une rivière jusqu'à vos pieds. Alors là, je saute de joie et je tends les mains pour taper dans les mains de tout le monde. Bon, je vous donne un coup de pied. On va peut-être se préparer. Hein, Alors dites-moi un petit peu en quoi vous avez l'intention de vous déguiser pour faire Halloween. Vous avez envie de vos déguisements ou quelque chose comme ça quoi. Moi je serais habillé en zombie skater. En zombie skater. Ouais. Genre je. Et moi en robot voleur. Robot voleur. D'accord. Camille, elle se déguise en quoi, Camille? En extraterrestre. Décris-moi un petit peu l'extraterrestre, là. À quoi ça ressemble? Bon, c'est un truc vert. Un truc vert. Ouais, bah, l'extraterrestre. Un truc classique que tout le monde connaît. Avec des grands yeux. Ah, le style zone 51, là. Oui. Ah, effectivement, c'est le slime dans le dos.
C'est très... Du slime, de la, espèce de gelée verte. Dans ah, le... du slime. Ok. Ouais. Mais vous savez que la zone 51 n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Parfait. Et que effectivement, c'est un sujet assez à la mode. Il y a pas mal de l'histoire autour de la zone 51. Bah oui, c'est dans le Nevada aussi. Ouais. Ah, bah c'est pas loin de là, ouais. Et bon, Charlie, elle a piqué un vieux sweat à capuche noire de son grand frère, qui habite plus avec eux parce que maintenant il bosse. Et avec du feutre noir et du rouge à lèvres qu'elle a pris à sa mère, elle se fait un visage de vieux sorcier sur le visage, quoi. Et qui on a donc il y en avait Skyler, tu te déguises en quoi, Skyler? Je suis en ce moment très fan de Kiss, donc je me maquille comme eux. Ah ah, d'accord, je vois ça. Eh bien, vous m'avez raconté, vous racontez-moi un petit peu comment vous déguisez, si vous avez si vous voulez jouer la scène particulière déguisement, ou si vous avez fini de vous déguiser et qu'on passe à la scène suivante qui consiste à sortir de la maison. Je pense qu'on peut sortir de la maison. Alors, je... Moi, je passe quand même presque une demi-heure à préparer mes cheveux. Quoi ? Bah, moi, j'avais prévu d'utiliser le slime pour faire des parties vertes décomposées de mon corps. Et j'en garde une partie, enfin, j'en ai gardé une partie pour en coller discrètement sur le dos de Camille. C'est extraterrestre. Et moi, je m'aperçois que mon costume était bien trop lourd parce que j'ai pas trouvé des pièces en plastique, j'ai trouvé des pièces en métal pour essayer de faire une petite armure de robot. Et en fait, j'arrive même pas à me déplacer. Là, vous voyez que je galère depuis 10 minutes. Donc, les gars, faut m'aider à en enlever un petit peu. Je crois que j'ai un peu abusé là sur les pièces métalliques. Bah, peut-être trouver un morceau de carton. Bling, bling, bling. Remplacer certaines pièces avec des cartons. Je pense que tu devrais garder le casque et enlever les jambières, par exemple. Surtout que tu as un skate aussi, donc il faut que tu aies les jambes assez légères pour avancer. Je vais garder que le masque, je crois. Ouais. Bon, le plastron était pas mal. Mais... Bon. Bah ouais, mais on s'est pris trop tard, les gars. Voir le jour même. Allez les enfants, ouais, hein, il faut y aller, il commence à faire nuit là, après vous allez rentrer tard. Alors là, je sors juste de la salle de bain avec donc les cheveux à la Kiss, bien en pétard, avec le maquillage blanc et noir, le t-shirt blanc, et là j'ai le sac et tout. Bon ben, on va y aller, il faut y aller, non? On va louper toutes les bonnes prises auprès des quartiers riches. On attendait que toi, hein. C'est pas faux. Et quelqu'un qui est déjà déguisé en extraterrestre, je comprends pas. Pourquoi il y a deux extraterrestres dans le groupe, les gars? Vous n'êtes pas concertés. C'est pas gentil pour lui. Et là, je sors sur le palier de la porte, je les attends. Bah, je le rejoins. On arrive. Hein. Je prends mon skate et je suis prêt à avancer. Boulder by Night. Alors je mets une photo de Boulder by Night. Qui ressemble à peu près à ça. Et ben vous allez effectivement avancer comme ça au milieu des rues. Vous allez avancer au milieu des rues. Et ben vous allez me raconter un petit peu. Vous allez faire le tour de la ville en toquant aux différentes portes. Avec la fameuse formule à l'anglaise trick or treat, trick or treat. Give me something good to eat. Je sais pas comment on le dit en français. Des bonbons ou un sort. Et moi, je veux jamais m'arrêter. Que quand la personne ouvre la porte, je suis pas là d'abord au début. Et après, je passe lentement devant la porte sur mon skate en disant. Ouh là là, j'ai peur, un zombie va me manger. Vite, vite, je vais lui donner des bonbons, le zombie, pour pas qu'il me mange. La vieille grand-mère qui ouvre son sachet là, et qui commence à vous donner une poignée de bonbons divers et variés. Alors c'est une grand-mère, elle a pris que des trucs, des biscuits secs qui sont bons pour la santé, et des bonbons au miel et des bonbons à l'eucalyptus. Oh, trop bien.
Et j'ai... On va peut-être essayer les maisons avec des personnes moins âgées. Hein. Mais bah, c'est très bien. Faudra aller chez le dentiste. Mais... Non, mais des bonbons au miel, qui fait ça? Vas-y, goûte, tu vas voir, c'est très bien. Ouais, bon, donc là, je choisis la prochaine maison. Ah non, pas merci. Donc, et là, je pars en direction de la maison que je connais, d'une famille avec des gamins, donc je sais qu'il va y avoir des bons mecs. D'après mes calculs, en effet. Bah, zizi, alors, toquez à la porte, ou sonnez. On frappe et tout. Et ben bah, oui. Et là, bah, vous voyez une jeune femme qui ouvre la porte. Des bonbons ou une farce? Oh, que j'ai peur. Mais qui en a là? C'est quoi c'est un robot extraterrestre, c'est ça? Il te parle à toi en parlant à Skyler. Tout à fait. on a un autre robot ici. Bon, je passe ensuite à nouveau. Ah, le zombie, au secours, un zombie. Bon, vite, vite, il va chercher des bonbons et commence à vous en donner à tous. Alors là, cette fois, il y a des chamallows, il y a des... ça, bonbons. C'est des bons becs. Il y a des bonbons, bonbons acidulés, genre, je sais pas si on a le droit de dire des marques, genre Haribo, des choses comme ça. Ah, ça, c'est des vrais bons becs. Vous allez comme ça faire avancer de maison en maison. Puis à un moment, vous passez devant une maison qui est un peu isolée, devant laquelle personne n'ose jamais y aller parce qu'il y a un vieux monsieur qui habite dans cette maison-là, qui est assez grincheux et désagréable et tout. Et il y a Charlie qui fait « Ouais, je parie que vous n'êtes même pas capable d'aller sonner à la porte du vieux Bill. » Je gagne quoi si je vais. Charlie, tu te souviens de la dernière fois de Michael, là, son ballon, hein? Il l'a jamais revu quand il est tombé dans le jardin du vieux Bill. Hein. Ouais, mais c'est pas vrai ça. C'est des conneries ça. Ouais, j'étais avec. Attends, j'étais avec Michael quand le vieux Bill lui a pris le ballon. Ouais, mais c'est parce que vous avez la trouille. Moi, il me fait pas peur, le vieux Bill. Vous voyez, Charlie commence à avancer toute seule. Bah, quand je dis que je la vois avancer, je marche devant elle pour y aller. Devant elle? Ouais. Elle te pousse un coup en disant ah, moi d'abord, attends, c'est moi qui vais. Je cours et je vais. Vous bagarrez tous les deux. Et toque à la porte. Et moi, je suis juste à l'entrée du portail. Vous restez un petit peu loin. Camille aussi, moi, peut-être oui. Vous n'êtes pas forcément très rassuré parce qu'il y a quand même pas mal de légendes un peu. Ah non, mais moi je vais pas, je rentre pas dans son jardin. Ah ouais, non, mais bon, vaut mieux pas. Hein. Et bah effectivement, donc vous voyez le porte qui s'ouvre, et un vieux monsieur, mais vraiment mal rasé, les cheveux en bataille, et un peu une tête de savant fou, un peu. Vous voyez, genre, comment il s'appelle Marty. C'est ça, ouais. Pas Marty, mais l'autre. Doc. Doc, c'est ça. Ouais. Genre Doc, exactement. Un peu ce genre de personnage, mais... Des bonbons ou des farces. Qu'est-ce que vous me voulez, là? Des bonbons ou des farces. Et puis quoi encore? Prenez pour qui, là? Là, c'est à lui. Mais il s'énerve là, il attrape le sac de bonbons de Charlie et il vous claque la porte au nez. Il attrape, il le prend. Il a attrapé le sac de bonbons de Charlie et il vous a claqué la porte au nez. Allez, vous en cassez-vous. Faire plus gaffe, les gars. C'est méchant ça. Ah ben, on va lui faire des farces. Hein. Et là, je sors les œufs de mon sac. Quoi, t'avais des œufs dans le sac? T'avais des œufs dans le sac? Ça fait 2 mois que je les garde. Charlie, c'est bon, laissez tomber, c'est un vieux con. C'est n'importe quoi. Mais je vais pas les garder toute la soirée parce que t'imagines s'ils se cassent dans les bons becs. Charlie, je te défie de lancer les œufs. T'as voulu le voir, maintenant il faut lancer les œufs. Ok, bah vas-y, elle va prendre les œufs, elle va en lancer un sur la porte. Elle dit, ah, tiens, prends ça, salaud. Les œufs, ils sont bien presque verts, tu vois, tellement que je les ai fait pourrir. J'en lance deux, moi j'en lance un même sur la fenêtre si j'en vois une. Tu peux, ouais.
Voilà. Je lance sur la fenêtre. Et vous faites que des conneries avec les bons becs. Je vous propose de les centraliser dans mon sac, moi, les bons becs. Ouais, bon, alors moi, j'en ai aussi. Ça, c'était pour, c'est pour le sac de Charlie, et ça, c'est pour Miguel. Voilà. Et on va partir. Et puis on se casse, vite. Bah écoutez, vous voyez qu'il s'en fout complètement le vieux Bill, apparemment il en a rien à foutre de vos œufs. Et il vous grille à l'intérieur pour dire, cassez-vous, bande de fous, bande de chats, bande de petits voyous là. Vous entendez un bruit de fusil derrière. Un bruit de fusil? Ouais. Ah ouais. Bah je pars en courant et si sur le chemin je trompe sur un caillou, je lancerai à travers la fenêtre. Ah bah fais-moi un jet de... C'est quoi, c'est d'habileté, de... Tatatitatata... Pour lancer... Force. Il y a force ou agilité. Ouais, force. Fais-moi un jet de force. Vas-y, okay. Voir si t'arrives à péter une fenêtre. Ça va être... Body, ça va être 4... 3D pour moi, c'est ça? Ouais. Mais clique sur force directement. Ouais, non, tu cliques sur force, ça marche direct. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est un échec. Tu vois le caillou qui tu lances ton caillou mais tu vois qu'il rebondit sur le bord de la fenêtre mais t'arrives pas à casser le carreau. Ok, bon bah je pars quand même vite. Mais t'avais pas t'as que t'as pas de ah mais d'accord t'as pas de truc en plus toi pour force. Non. Bon tant pis. Eh bien tant pis. J'ai tout mis dans le déplacement et la furtivité. Ouais, bah, moi j'ai 12 ans, je vais pas me claquer 50 de force. Pour un sportif, j'aurais vu un peu de force quoi. Mais moi bon. Je balance. Non, mais c'est je, pour, je balance pour quand skate, même moi. Tu veux balancer aussi un caillou et quelqu'un d'autre qui veut lancer un caillou? Ah non, je balance le reste des œufs sur, sur le bill. Hein. Ouais, ouais, non, mais non, il n'y a pas la porte. Il n'y a pas la porte. Je balance. On a entendu qu'il sortait une carabine quand même en faisant des cric. Oui, non, mais je balance le reste des œufs directement sur les fenêtres et tout. Hein. Ah bah, très bien. Faites-moi un jet d'empathie. Vous voyez, donc vous partez, vous voyez Charlie qui fait « Ouais, mais c'est bon. » Empathie. Vous avez tous des réussites. Vous avez tous des réussites. La cohésion du groupe, quand même. Effectivement, vous vous rendez compte quand même que Charlie, elle le cache un peu, mais qu'elle a un peu la haine d'avoir... Ça te fait piquer son sac de bonbons, quoi. Bah oui, je suis un peu énervé, quoi. De toute façon, le sac de bonbons, j'ai envie de te dire, tout à l'heure, on était dans une partie de Medieval Fantasy, c'était vraiment génial. Ouais, mais enfin bon... Ouais, non, mais c'est sûr, ça me gêne pas du tout. Ouais, c'est le vieux Bill, quoi. Enfin, tu vois qu'elle en fait, elle le pense pas ce qu'elle dit, mais... C'est bon, j'en ai à foutre des bonbons, c'est pas un problème. Je m'approche de Charlie, j'ai dit, tiens, prends mes bons becs. Mais non, c'est bon, ça ira, c'est rien ça. Mais les bons becs, on avait un sachet pour tous ou... Non, on partage. Chacun son sachet. Ouais. Bah oui. Ah, j'ai pas voulu, je centralise. Dans ce cas, je vais en donner à Charlie, moi. On va, ou alors on réunit tout et on se partage tout, équitablement. Mais vous voyez que c'est pas la priorité. Hein. Bon, moi, c'est surtout le fait d'être avec vous qui est cool. Donc voilà. Bref. Vous allez continuer comme ça un petit moment, j'imagine. Ben, jusqu'à ce qu'on ait l'autorisation de rester. Moi, j'irai bien chez les chrétiens pour voir s'ils fêtent Halloween. Tu arrêtes de les chercher, ces deux-là. Ça peut être marrant. Non, mais ouais, attends. Tout le monde fait Halloween. Tout le monde sauf le vieux Bill. Ouais, bah, enfin, tu vas aller narguer les chrétiens. Et puis en plus, ils seront même pas là. Ils seront peut-être dehors en train de taper aux portes. Et on va juste voir leurs parents qui vont nous sermonner. Je me demande bien en quoi est-ce que Cassie et Timothée se déguiseraient. Oh, bah, ça. En princesse et en fée. Ah oui. Bah maintenant c'est païen. Mais non. J'aurais pensé en Jésus-Christ et en Vierge Marie. Est-ce que vous pensez que les gens au Loop ils travaillent ce soir? Oh bah il y a toujours des gens qui travaillent dans le Loop. Hein.
permanence, hein, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Mon oncle m'a dit qu'il était en de congé de repos aujourd'hui, mais qu'il y a la plupart de ses collègues y sont aussi. Ouais. Vous avez déjà visité le loop? Mais et arrête avec le loop, on en a déjà parlé. Pour l'instant, il faudrait déjà qu'on se débarrasse de l'école. Ouais. J'essaye de voir si Charlie serait partante pour faire une grosse connerie. Oh non. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vises, à quoi tu penses comme connerie? S'infiltrer dans le loop. Ah, effectivement, c'est une grosse connerie, ça. Bah, fais-moi un jet d'empathie, difficulté 2 au moins. Et les gars, mon père m'a toujours interdit d'y aller. Moi, j'essaie de le convaincre de pas y aller, justement. Je dis, non, mais on va arrêter ce soir, on va faire une soirée d'Halloween tranquille et tout. On a même prévu les films et tout. Putain, on nous a autorisé dans... Attends, j'ai réussi à piquer à mon oncle un film d'horreur interdit au moins de 14 ans. Et c'est quoi, Massacre à la tronçonneuse? Ah... Brain Dead. Oh là, ouais, exactement. Brain Dead. Ah non, celui-là, il était interdit au moins de 16 ans. Bon, ben, voyons que j'arrive pas à motiver les camarades à faire d'autres trucs. Moi, je slalom devant, derrière eux, en skate. Voilà. Dans ce cas, vous allez finir par rentrer. Oui, sinon, oui. Non, sinon, un autre scénario, c'était plutôt que d'aller au loop qui me paraît un peu dangereux, c'était d'aller se venger ou s'infiltrer chez le vieux Bob, c'est ça? Bill. Récupérer... Moi, j'ai quand même entendu qu'il a fait une arme dans son truc. Ouais, c'était peut-être une fausse arme. Ouais, partager les bonbons en fin de soirée, c'est bien aussi comme idée, plutôt que de s'attirer des ennuis. Le plan, oui, normalement, c'est de rentrer chez vous et de partager les bonbons à la maison, quoi. Eh, par contre, juste une chose. Eh, 7. Ouais. Il me reste quand même un paquet d'œufs qu'on pourrait quand même en balancer sur tes... Encore des œufs, il t'en reste? sur les curetons qui nous emmerdent. Curetons? Disons qu'ils nous emmerdent pas activement, mais... C'est pas toi qui t'ont placardé une croix satanique sur ton casier, hein? Non, mais ça, c'est Timothy, ça. À la limite, si on trouve Timothy, on peut faire ça. Ouais, on peut aussi s'occuper de la maison de Timothy, mais là, Le problème avec la maison de Timothy, c'est que c'est aussi la maison de Cassie. Et il est sympa, Cassie. Oui. Très sympa, la Cassie. T'as des choses à nous raconter? Bon, je le trouve sympathique, c'est tout. C'est il ou c'est elle, Cassie? C'est elle. Ah, d'accord. Ouais, oui, voilà, tranquille. Oui, enfin bon, Timothée, il habite là où il y a Cassie, donc si on balance des œufs, c'est bon, ça va se sentir mauvais. Je veux bien balancer des œufs sur Timothy. Après, si on trouve... Et sur leur maison, c'est pas grave. Timothy. Quoi? Si on trouve la fenêtre de sa chambre à lui. Ah, oui. Ouais, enfin, faut quand même penser qu'il y a pas mal de... C'est le soir d'Halloween, il y a pas mal de monde dans les rues. Hein. Il y a des enfants, des parents qui tournent un peu à droite, à gauche. C'est comme assez allez. Hein. Bon, on va rentrer tranquille, on se fera plaisir sur Simoti plus tard. Bon, on va vous les rentrer à la maison alors. Oui. En chemin, il y a Charlie. Et je commence à jeter les œufs qui me restent dans une poubelle. En m'éloignant vite parce que ça doit sentir une horreur. En chemin, il y a Charlie qui va vous dire que c'est tard et que on partagera demain dimanche les bonbons ensemble. Elle viendra chercher sa part, mais là, elle voit que c'est l'heure. Elle dit qu'elle va se faire encore tabasser par son père et que. Ça va, son beau-père, là, et que ça va être la merde, donc du coup, elle vous dit « Ouais, les potos, ouais, je vais vous laisser, là. Je vais rentrer chez moi, et puis on fera ça demain, quoi. » C'est sûr, tu sais, mon oncle, il peut appeler tes parents pour dire que tu restes dormir. Ouais, mais non, je préfère pas, non. Je préfère pas, après, tu connais pas mon beau-père, hein.
sais comment il est, il veut encore, ça va être, voilà, c'est bon. Il faut pas que tu le fasses adopter. Ouais, ce serait cool, mais s'il veut, c'est... Vous évitez ce genre de sujet, s'il vous plaît. Ouais, mais il est cool, ton oncle. Ouais. S'il y avait plus ma mère, peut-être, je pourrais me faire adopter par ton oncle. Bon. Bon, allez, les potos, je vais vous laisser, quoi. Alors, bien, vous pouvez devenir frère et sœur, tous les deux. Ah ouais, ça serait cool. Ouais. Non. Arrêtez de raconter des conneries. Bon. Eh ben, écoutez, vous allez, effectivement... À demain. À demain. Charlie va vous quitter. Et vous allez rentrer, bah dites-moi un peu ce que vous avez pour rentrer, tranquillou, ce que vous faites. Moi je rentre en sautant sur les trottoirs, tu sais, des fois il y a des, même quand il n'y a pas de trucs à sauter, mais des fois il y a des espèces de carreaux sur la route avec des bosses, et bien je les saute quand même, avec le skate. Ok, et les autres cours derrière. Tout est un entraînement permanent. Quoi. Les autres cours derrière ou tu fais des allers-retours? Je te suis en skate aussi, on habite pas très loin, donc j'essaie de faire pareil. Mais comme je suis un peu plus grand que la moyenne, des fois, je manque un peu d'agilité. Ben, si jamais je prends de l'avance, je vais revenir en arrière. Hein. Il y a peut-être. Ok. Donc on va retourner à la maison. Ouais. On va retourner à la maison. Alors attends, je vous remène à la maison. On va chacun chez nous ou chez... Vous venez tous chez mon oncle. Oui. Ben là, le plan, c'était de revenir à la maison pour mettre tous les bonbons en commun et se les partager. Ouais. Je sais pas. C'est plutôt ça le plan, non? Je dirais. Ouais. Et de garder une partie pour Charlie. Ouais. Cool. Yeah. Et comme je suis plus grand que vous, j'ai le droit à plus de bonbons, c'est normal, hein, les gars? Non. Et Yann, c'est bon. On partage avec tout le monde. Ouais, c'est toujours pareil, vous imaginez pas les calories que j'ai besoin, moi. Et nous aussi, on est en pleine croissance. De toute façon, toi, t'as fini de grandir, alors t'as plus besoin de calories. Alors, techniquement, j'ai toujours pas terminé. Moi, j'ouvre le garage, je les fais passer par le garage pour aller dans le sous-sol. Et après, j'imagine, vous rentrez chez vous ou... Ouais, s'il y a rien d'autre à faire, moi, je rentre chez moi. J'ai prévu une petite poche pour Charlie, avec son nom marqué dessus. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que certains... Alors ça, c'est une particularité de Tales from the Loop. Je peux vous... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent jouer une scène particulière... Ou pas de votre tour, de ce que vous voulez une scène particulière de votre tour chez vous ou... Ben moi, je vais rejoindre mon oncle pour regarder le film d'horreur qu'il a prévu. Sachant que c'est la deuxième année que je vis avec lui et que c'est le deuxième Halloween que je passe avec lui depuis la mort de mes parents. Alors, eh ben oui, vous avez tous les deux. Tu verras qu'il a fait, il a préparé un grand bol de pop-corn. Mm-hmm. Tu le préfères sucré ou salé? Sucré. Ah, du pop-corn sucré. Alors, il t'a fait un grand bol de pop-corn avec du caramel dessus et tout. Et puis bon, ça me rassure qu'il soit toujours là. Et voilà. En même temps, ça me rassure, mais ça m'inquiète en même temps parce qu'il est plus que le dernier membre de ma famille. Et une grande bouteille de coca, alors. Pareil, les autres, vous rentrez chez vous, une scène particulière, vous voulez jouer quelque chose? Non, non, je veux juste rentrer. Rien de particulier. Juste rentrer et dormir. Non, non. C'est bien. On va se faire tirer les oreilles, sinon. Ouais. On a vu la nuit des morts vivants, le premier. Je vais faire jouer les scènes, alors je vais les faire tous ensemble, mais il va vous arriver tous la même chose cette nuit, mais chacun dans votre chambre. Vous êtes en train de dormir, quand l'un de vos parents vient vous réveiller au milieu de la nuit. Quoi ? Excuse-moi, je te réveillais, je vais juste une petite question à te poser.
Est-ce que Charlie est rentré avec vous tout à l'heure? Non, elle est partie. Elle est partie avant un peu. Elle est partie. Elle n'est pas venue à la maison. Tu le sais très bien. Donc, elle est repartie directement à sa maison parce qu'elle voulait pas traîner à cause de son beau-père. Ah, d'accord. Bah écoute, rendors-toi, rendors-toi alors. Mais attends, il s'est passé quelque chose? Non, non, mais ne t'inquiète pas. Rendors-toi. Tu peux dormir. On va voir avec les. On va voir avec les autres parents. Ne t'inquiète pas. Chez Camille, pareil. Même question. Écoute, elle est partie un peu avant nous, mais non, on n'a plus de nouvelles depuis. Pourquoi? C'est rien, c'est ses parents qui la cherchent. Apparemment, elle serait pas rentrée à la maison. Mais je sais pas. Je sais comment elle est. C'est une... Je vous dis, elle va tout le temps vous attirer des emmerdes, cette fille. Vous ne devriez pas traîner avec elle. Alors, tu vois pas, mais au niveau de la physionomie, je suis assez contrarié par ce qu'ils disent, même si je dis rien. Elle est rendue, toi, Camille, c'est pas grave, t'inquiète pas. Pareil pour Seth Rogers. Bah moi, s'il me dit Tom à Camille, je lui dis bah, c'est qui, c'est son père, son beau-père qui la cherche. C'est sa mère, là, j'ai sa mère au téléphone, là, elle vient de m'appeler. Elle la cherche et elle est toujours pas rentrée à la maison, quoi. Avant de partir, elle a dit qu'il fallait qu'elle rentre vite, sinon son père allait. Son beau-père, il est un peu brutal avec elle. Bah, et peut-être qu'elle est partie chercher ses bonbons. Parce qu'il y a le vieux Bill, il a volé son paquet de bonbons. Ah et bon peut-être que sur la route, elle était contrariée, peut-être qu'elle est repartie pour essayer de les récupérer. Ah bon? Bah, écoute. Il faut aller vérifier. Écoute, rendors-toi, je vais en parler avec la maman de Charlie. Non, je viens avec vous. Non, tu restes dormir, c'est un truc pour les... C'est pas un truc pour... C'est un truc d'adulte, ça, hein. Toi, tu dors. Pareil à Yann, hein. Et puis, tu vois que bah, elle te remet à coucher, elle éteint la lumière de la chambre et elle ferme la porte. Pareil pour Yann. Alors moi, quand mes parents me réveillent en pleine nuit, je les écoute pas, je m'en rendors. Donc je pense que je vais capter qu'ils m'ont parlé de Charlie que le lendemain matin. Laisse-moi dormir. Ok, d'accord. Donc j'ai même pas tilté qu'ils me parlaient de Charlie.